ça raconte. Alors, aller au barrage, qui était cette femme? Si je connaissais son nom, je pourrais la remercier de m'avoir sauvé la vie. Cela dit, la politesse n'est pas une de mes priorités pour le moment. J'ai perdu tout mon équipement dans la rivière et ma radio est morte, alors je n'ai plus aucun moyen de contacter l'Aurora. Rejoindre le barrage où Alyosha et moi étions censés nous rendre semble être ma meilleure option. Je vais suivre l'ancienne route. Très bien. Non. Okay. Eh bien, suivons l'ancienne route alors. Il n'y a rien à récupérer là avant de partir dans le sens, non? Il y a un mec là-bas, en danger. Attends, c'est quoi ça? Pourquoi il y avait un truc là? Ouais, j'arrive, j'arrive. J'arrive trop tard. D'accord. Le mec qui arrive toujours en retard pour sauver les gens, quoi. Pas mon chemin, ça, normalement. Mon chemin, c'est là-bas. Oh. Du coup, ouais, je viens de là-bas. Il n'y avait rien sur le pont là, sur la route. Non. Ça, non? Ouais. Halte là! On bouge plus! C'est le territoire des frères de la côte! Un pas de plus et tu subiras notre châtiment. Oui, da. Un pas de plus et tu mourras. Ouais, tu vas voir mon châtiment. Marin d'eau douce, si tu veux pas marcher sur la planche. Un seul vagabond, c'était déjà trop pour aujourd'hui. Yeah. Va voir ailleurs comme un bon chien. Ils vont partir et je vais pouvoir passer. Ça
toi. Salut Dada, merci pour le follow. Merci beaucoup. Je me faisais des illusions. Je m'en rends compte maintenant. Qui viendrait nous évacuer quand il n'y a que de la friture sur la ligne? Les secours ne viendront pas. Encore une fois, a-t-on vraiment besoin des secours? Notre vallée ne constituait clairement pas une cible. Même les retombées nous ont épargnés. Le compteur n'indique aucune radiation. Même à proximité des tuyaux d'évacuation. Les enfants sont bien préparés. Tout ce temps passé à randonner aura été utile. Ce sera simple de leur apprendre à chasser. On a tout le nécessaire et on pourra fabriquer ce qui nous manque. Je vais arrêter de me poser des questions. On prendra les problèmes comme ils viennent. La survie passe avant tout. Ok. Là, je pouvais descendre, je peux aller sur le toit aussi. Je vais aller voir sur le toit. Ah mais il y a carrément une tyrolienne. Je vais les changer. Je pense que c'est le mieux à faire. Je vais pas prendre la tyrolienne tout de suite. On va aller voir en bas d'abord. Oh, 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 oh. Les serpents. Ouais, il y a son masque, heureusement. Je m'étonne qu'il y ait besoin d'un masque, putain. Des cadavres en décomposition partout dans la flotte. Il y a encore un serpent là, non? Dégueu, hein. Oh, la position. Attends, il y a un truc là. Il y a un truc qui est ramassé là, une flèche. Ah, je vais à fond. Ok. Oh, arrête hein. Ah, il est là, putain, mais je le vois pas, il est énorme. Il est devant moi, il est énorme. Non, avouez que là, on le voit presque pas quand même. Hein. Punaise, il y a même des pattes, regardez. Punaise. C'est affreux, hein. Il est très laid. Oh, un équipement. Il est infra. Je vais les enlever. On n'a pas besoin là. Alors du coup, je peux prendre la tyrolienne au-dessus. Sur le toit. Ou alors je peux passer par ici. Tyrolienne passe où? Elle passe là. Je crois qu'il y avait un chemin ici aussi. Ouais, je pouvais passer là aussi. Du coup, ça m'amène là et je pense que la tyrolienne m'amène au même endroit. Écoute, ça fait un moment que je vais te le demander.
de toutes ces histoires de pirates, des cadavres au poteau. Vous croyez vraiment que c'est ce que voulait le professeur? Le professeur voulait qu'on se défende. Bah, rien de tout ça est utile. Les bandits ont encore été vus au village. Et nos gars ont capturé un vagabond aujourd'hui. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on leur refasse la leçon. C'est pour ça qu'on est là. On va en attraper un ou deux et faire de nouveaux épouvantails. Ben, les bandits, je comprends. Ils font des trucs affreux par ici. Mais ce nouveau vagabond a pas l'air d'être un bandit. Peut-être qu'il faisait que passer. Si c'est pas un bandit, il aurait pu passer à côté de nous tranquillement. Mais non, il est sorti de la rivière. Pour moi, en faire un épouvantail, ça dissuadera bien les autres d'approcher. Des Woolmakers. Je suis vraiment pas sûr, là. Il y a lui, mais il parle à qui, là? Ah, il est là, non? Mon bus. Putain, je suis juste à côté de lui, il me voit pas, le mec. Rattrape-le avant qu'il... Merde, je suis coincé. Ça va. Là, je peux... Gros vislard. D'ailleurs, pourquoi presque toutes les filles traînent avec eux? C'est pas normal. Ça se passera pas comme ça. Ça y est, ça commence à bouger. Vous voyez que je peux me glisser derrière lui sans qu'il me voie? Eh oui. Ah, par contre, les mecs ont été alertés là, non? On fait le tour. Comment ça tous sur lui? Y. Voilà. Je crois que ça y est là, oui. Oh, c'est fini. Je voulais tuer personne, mais oh, il est là. Malin, c'est ça qu'il allait dire. Et oui. Du coup là y a rien. Apparemment y a rien. Là y a deux mecs. Il y en a un autre là-bas. Hey, toi, sors de là.
Il y en a un qui arrive, merde. Merde, il y en a deux qui arrivent. Chier ça. Allez par là. Ouh là là, c'est fini. Oh, je voulais essayer de tuer personne. Ça va être chaud. Hein. Et on se calmait peut-être, non? On se calmer. J'ai pas enlevé mon masque. J'en ai besoin ici? Non. Ça a l'air pas mal ça. C'est la même lunette mais il a l'air mieux. Alors tu veux que je te cherche encore, mon bon. Ça m'était bien, mais tu vas le regretter quand je t'aurai trouvé. Pas là, du calme là, musique là. Il est où? Mais il est pas là. Il a disparu. Il était là. Vous avez vu ça? Il marchait ici puis il a disparu. C'est dingue hein. Ah, je peux ramasser hop. Des carreaux explosifs, c'est dans les cieux, d'accord. Putain, le bonhomme, il a disparu. Ah merde, il m'a vu ce con. Ah mais je voulais pas te tuer, imbécile. Oh il s'est baissé au moment où je tire. Bon bah c'est malin. Je voulais tuer personne maintenant, je peux vous tuer tous. Hein. Arrête de bouger. Tire pas, vagabond, je me rends. Ah, il se rend, ça y est. C'était le dernier alors du coup, punaise. Ah presque rien quoi, j'avais presque. J'adore, vagabond. Je peux rien faire de plus. Mais ils sont à deux à se rendre, putain. Je
J'ai entendu encore quelqu'un, non? Oh, j'avais presque réussi à tous les faire sans tuer personne. Ah, puis ils ont 3 à se rendre, punaise, c'est fou ça. Oh, je suis pendu. Oh. Accroche-toi, Artyom. Tu peux le faire. Oh, il y a des grosses bêtes là. Punaise. Ça, c'est des loups mutants et... On a aperçu un ours mutant. On n'a qu'une arbalète alors. Si on est attaqué par une meute de loups, ça va être... chaud. Oh. Il n'a pas envie de le croiser lui, putain. Il est là-bas. Purée. Enfin presque. Ah merde, j'ai marché dans un piège. Soyez pas méchant, je suis gentil moi. Je crois qu'il va pas vouloir être gentil lui. Hein. Beau en bas. Oh punaise! J'ai fait peur cette con. J'ai arraché sa patte. C'est bon, il est mort. Oh merde! Remonte! Du coup, il n'y avait rien par là, alors. Non. Et moi, je venais de où, moi? Ah si, il y a un truc, hein. Mais je venais de là, moi. D'accord. C'est tout ce qu'il y avait. D'accord. Oh là là, la meute vient vers moi, non? Oh merde! Ça tire pas, cette... machine là. Si, putain, j'ai eu peur. Ça tirait pas sur le coup, hein. Ce qui s'est passé là, elle est peut-être encrassée ma truc, hein.
Il n'y avait pas une établie dans... Bah non, il n'y avait pas d'établie, je l'aurais vu. Je crois que c'est... Elle est encrassée, c'est pour ça qu'elle a eu du mal à tirer. Qui grogne comme ça? Oh putain, il m'a fait peur ce qui. Putain, il m'a fait peur quoi. Je le voyais pas moi. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi j'ai rien vu, hein, putain. Peut-être qu'avec ma torche ouverte allumée, je l'aurais vu. Oh, pas vite piège moi. Putain. Pas bon ça si. Très bien. On coupe la corde et on l'emmène au campement avec le premier. Hey, une minute. Vous en avez déjà un les pionniers. Lui c'est notre prise. Il a été capturé sur notre territoire. C'est normal je pense. Le filet est à moi. Alors pas de faire moi. Qu'est-ce que ton piège foutait sur notre territoire alors? En plus, t'as déjà le sac à dos d'un intrus. J'ai plongé pour avoir ce sac. C'est con, on se bat. Et toi, tu t'es dégonflé. Ouais, je me suis dégonflé. Vous êtes des pirates. La forme. Vous avez plus de bateaux. Quant à celui-là, il va passer devant le tribunal de la forêt. Vous êtes que des lâches. C'est un intrus, un ennemi. T'es un bandit ou quoi? T'as oublié ce qu'a dit le professeur? Il a dit qu'on devait agir différemment. Tu te souviens? Tu prendrais pas un peu la grosse tête? Le professeur a d'abord dit qu'il fallait qu'on se défende. Et on s'est rebouffé, eux. T'as oublié ce que les intrus viennent faire ici? C'est un intrus aussi, alors il doit mourir! Sinon, il va en amener d'autres! Oh punaise! Ça suffit! Le tribunal de la forêt est prioritaire! Pas moi, pas moi, pas moi! Va mourir quand même, non? Hop. Bon, ça va. Oh, c'est mon sac, ça. Des forêts. Je peux récupérer mes armes. Hein. Mais j'ai récupéré mon sac. Ils viennent tous par ici. Ah, j'aurais dû me cacher là-dedans dans le trou, non? Merde! Trop tard. Ils m'ont pas vu? Si, ils m'ont vu. Ouais, il se rend. Je pense que j'aurais dû me cacher dedans tout de suite. J'aurais dû rester dedans et j'étais bien caché là. Ils allaient passer sans me voir. La discrétion. Oh, what? Ouh!
en charge, les gars! Je vais mourir là, j'aurais dû prendre un heal avant là, non? Prends un heal, vite, 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 vas-y, tu peux le faire. Yes, tu l'as fait, tu l'as fait. Je vais tester la bêta de Division 2, non. Allez, décroche-toi, vite. L'intrus est là-bas, l'intrus est là-bas. My god. Tiens, prends ça. Il était planté au mur, lui. On a mis une belle quand même. Hein. On a mis une belle. Allez, rendez-vous. Oh merde, il bouge au moment où je tire, quoi. Ah! L'autre en bas il se rend, non? Ah non. Ah, je t'ai vu. Je l'ai eu? D'accord, d'accord. Si on tire, on tire les balles, hein. Déposez vos armes et je vous laisserai vivre. Bah, y a pas de porte là. C'est quoi ce truc? Y a pas de porte. C'est pas une porte ça? Non. Ah bah si, y a la porte. Putain. Je vois même pas la porte, non. Tu fais quoi toi? Et vas-y, tire. C'est tout ce que vous savez faire, vous autres. Mentir et attaquer des gens sans défense. Mais non. Mais sache que vous êtes foutus tous les deux. On sait que ton pote est parti à l'église. On se contentait de le laisser tranquille. Alors tue-moi maintenant, sale lâche. J'ai rien d'autre à te dire. Je vais pas te tuer, moi. Ok. Allez, go. Moi non, mais mes amis, oui.
seul, toi. Oh, on a vu un peu de cerveau partir, non? Je peux pas le libérer? On voit bien du cerveau. Hein. On est foutu de chez foutu, c'est pas ça qu'il dit. Voilà. Il est où? Il est là. T'as fait le bon choix. Moi je me suis pas pris une balle. C'est déjà ça. J'ai voulu te libérer tout à l'heure, t'as pas voulu. T'es pas avec eux, on dirait. Merci de nous avoir sauvés, étrangers. Merci. Oh. Merde, mon vieux. Comment on en est arrivé là? Ok. Eh ben, te voilà à l'examen final. Je suis sûr que tu t'en sortiras à merveille. Quand tu retrouveras le professeur, dis-lui. Dis-lui qu'on survivra. Comme il nous l'a appris. Ouais, bon. Alors, faire un peu tous ces emplacements. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. On n'a pas perdu de temps, alors on a quitté le code de le libérer. Avant de partir vers la rue de l'église voisine, je dois le suivre avec un peu de chance, il est encore. Je dois aller à l'église, hein. Ok. Ouais, en fait, non, c'est pas des points d'interrogation, c'est pas des trucs... C'est juste des bâtiments. D'accord. Donc là, j'ai ça à faire par là. C'est l'église, non? C'est l'église. Et ça, c'est pas une église, ça, là-bas? Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Pas grand chose. Mais oui, il y a peut-être glissé. On laisse traîner ces cocktails Molotov partout, monsieur. Une note. Bon.
Toc toc toc. Ah. Oula. Faut qu'on ait ce qu'il faut là pour affronter un bazar pareil. Ah bah bien sûr, il casse tout. Évidemment. Évidemment. Arrêtez ou quoi? Oh merde. Elle a l'air content hein. Je suis trop fatigué pour courir. Je suis mal barré. Mon fusil à pompe. Je pense qu'il faut tirer dans sa poitrine quand il se lève. Oula. Non. Pas forcément. Ça fait peur, hein. Wow! Pas obligé de tête, hein. Pas obligé de tête. Putain, je suis coincé sur ce pylône là. Chier. Ça, je le vois pas. Et attendre qu'il s'expose. Ouh là 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 là. Cours Artyom, cours. Non mais lève-toi. Peur un peu si j'ai des Oh, il est brutal lui quand il fonce. J'ai plus de soins. Oh, j'ai plus de medipack. Oh bah s'il me laisse pas me refaire un medipack, c'est mort. Il est en train de mourir, non? Au secours! Je suis coincé sur un vieux banc. Sur un vieux morceau de ferraille. Non mais. On dirait qu'il s'en va, non? C'est ça, casse-toi! Et reviens pas me faire chier, hein? Non mais oh. J'ai eu peur, hein. Je croyais que ça allait être plus dur que ça.
Tu n'es pas obligé de l'affronter, mais c'est plus sympa de te voir courir partout. Je suis pas obligé de l'affronter, pourquoi je pouvais venir directement couper la corde? C'est un peu con aussi ça. C'est un peu con. De leur part. Je trouve qu'ils devraient faire en sorte qu'on soit obligé de l'affronter. Enfin, moi je pensais qu'on était obligé, hein, franchement.